Depuis fin janvier 2013, la jeunesse malienne est mobilisée dans le but de réaliser les états généraux de la jeunesse. Ils ont entrepris les démarches pour faire intervenir toutes les compétences nécessaires pour un colloque international sur la thématique de la jeunesse malienne. Ce fut d'ailleurs l'occasion de créer un cercle vertueux entre, d'une part, les jeunes maliens et les chercheurs qui interviendront au cours de ce colloque international et mettre en place un réseau où chacun pourrait se servir en temps voulu pour quelques besoins que ce soit. Le colloque sur la jeunesse malienne réunit des chercheurs en sociologie, anthropologie, sciences de l'éducation et bien d'autres domaines scientifiques sur la thématique de la jeunesse. Plus d'une vingtaine de communications sont proposées, entre autres par des chercheurs maliens actifs partout dans le monde. Dans ce colloque, il va être surtout question de la formation des jeunes, de leur migration, de leur insertion sociale et professionnelle, mais aussi de leur participation politique. Le colloque sur la jeunesse malienne est organisé les 12 et 13 juin sur Paris en réponse aux grands défis auxquels le Mali doit faire face aujourd'hui. La crise actuelle de notre pays n'est pas seulement liée à un problème politique. Elle interroge plus largement les fondements de la société malienne. Sur quelle base doit-on construire un projet de société? Le colloque sur la jeunesse malienne apparaît pertinent pour relever les nombreux défis et surtout éviter les erreurs du passé en mettant un accent particulier sur un des piliers de la société, les jeunes. De 15 à 34 ans constituent plus de 39% de la population totale malienne, une source de vitalité qui mérite toute notre attention dans ce colloque. La finalité de ce colloque est double. Cette initiative ambitionne d'abord le développement d'une culture scientifique au service d'une société en crise. La constitution des réseaux de chercheurs maliens, jeunes ou moins jeunes, va permettre de traiter des problématiques fondamentales de notre pays. La deuxième finalité du colloque sur la jeunesse malienne vise l'appropriation par les pouvoirs politiques des différents enjeux de formation, de migration, d'insertion sociale et professionnelle des jeunes du Mali.